Salut Clément. Salut Mathieu. Ça va? Voilà, qu'est-ce que tu veux me dire? J'ai un bonnet de Noël alors qu'on est le 1er décembre, j'ai dû ouvrir mon calendrier ce matin, je sais pas. Je joue le trou numéro 3, je le joue bien, je touche bien la balle, je finis dans les buissons. Elle est où là ta balle? Elle est là, dans Victor Dubuisson. Ah oui, quand même, pas mal le rapprochement de Victor. Ah, je sais. Comment ouais, pas très bien. Bon, toi, comment tu ferais habituellement? Je drop avec deux longueurs de club sans me rapprocher du trou, en prenant un coup de pénalité. D'accord, écoute, moi aujourd'hui, comme c'est bientôt Noël, je te considère à te donner un petit cadeau. Ouh. Donc je vais te montrer comment faire pour sortir la balle quand tu es dans cette situation-là, sans perdre de points de pénalité. Mais bien sûr, ça, c'est équivaut quand on est proche du green. D'accord. Allez, je te montre ça tout de suite. Quelle est cette solution, Mathieu? Donc Clément, pour cette solution, tu auras besoin d'une serviette. Est-ce que tu as une serviette avec toi? J'ai une serviette là-bas, mais regarde, j'ai mis un pantalon de pluie parce que je suis équipé quand il fait froid. Bon, écoute, pas de soucis. Okay. Donc l'objectif, c'est que tu vas devoir rentrer sous les arbres, là-dessous. D'accord? Ouais, là-dessous, à genoux, sans bien évidemment casser les arbres. D'accord. Il faut pas que tu te casses une branche. Je les pousse pas, je les casse pas. Voilà, okay, sinon ça compte comme point de pénalité. D'accord. Donc Clément, pour pouvoir t'installer sous l'arbre, il va falloir que tu te mettes bien évidemment donc à genoux. Okay. Le club, tu vas venir le placer le bout du grip, donc tout le grip, excuse-moi même, en dessous de ton aisselle gauche. Gauche, comme ça. Exactement. Okay. Et avec ta main droite, tu vas venir le prendre le plus bas possible du club. Parce que si je me mets là, je suis pas. Exactement. Là où il y a la ferrule, tu le places. Okay. Parfait. Et comme ça, donc à genoux, tu viens t'insérer directement sous l'arbre, près de ta balle. Okay. Allez, vas-y, essaye. Donc fais attention de ne pas casser aucune branche. Tu te mets à genoux. Parfait. Alors attends, je vais essayer de le filmer d'une autre manière. Voilà. Exactement, tu le joues de cette manière-là. Et le but, c'est que tu tapes très fort. Parfait. Regarde-moi ça. Woohoo. T'es sur le green. Génial. Bravo Clément. Ouais, c'est un bon. Donc tu vois. Bravo. Oh Bruno Gaspard. Ah là, en plus il y a Bruno. Et on m'a toujours dit que toucher le pompon, ça portait bonheur. Donc bien joué. Allez. Franchement, félicitations Clément. Merci Mathieu. Donc tu vois, dans cette situation-là, tu étais proche du green. Et l'avantage, c'est que tu perds pas de points de pénalité. Et tu as encore une chance de pouvoir sauver ton par. Oh là là, quel talent Clément. Oh la machine. Oh, ça c'est beau. Bravo Clément. Donc Clément, j'espère que ça t'a plu un peu cette vidéo. Est-ce que ce coup t'a pu te servir un petit peu? Ouais, c'était pas mal. Ouais. Ça peut être compliqué pour Bernard qui a 90 ans, mais sinon, non, ça peut être bien. Le plus dur, c'est de se baisser et surtout de se relever. C'est ça. Donc j'espère Clément, pour les petits auditeurs qui nous regardent. Nos chers internautes. Exactement. On fera des prochaines vidéos, des petites surprises, je pense, en fin d'année. Ouais, hein, pour Noël. Vous. Rien que pour vous. Rien non. Pour vous. Exactement. Et du coup, pour l'année 2018, on va continuer les aventures de Mathieu et Clément. Voilà. Donc merci à tous de nous avoir suivis pendant cette année 2017. Et à très bientôt. À très bientôt.